Bonjour les gars, commençons le briefing de cette étape. Ça va être une journée très exigeante pour tout le monde. Plusieurs cols et une arrivée au sommet vous attendent. Classement général. Il va falloir répondre présent dans la dernière ascension si on veut bien figurer. On est en mesure de viser un top 10. Bonne journée les gars. Allez, allez. Mesdames et messieurs, bonjour. À la veille de la journée de repos, les coureurs auront encore une étape majeure à ce col Tigné. Malgré l'absence de grands cols hors catégorie, le dénivelé positif cumulé atteindra tout de même 4300 mètres. Un sacré défi en fin de deuxième semaine. Les gars, il va falloir en garder sous la pédale pour la montée du BT. C'est très raide, il ne faudra pas caler. Bonne journée. On dirait que t'es parti pour faire cavalier seul. Bon courage. Nouvelle attaque à l'arrière. Le leader fait rouler son équipe très tôt pour gérer l'écart. Peut viser une place au général, mais son manager pourrait lui demander de se dévouer pour l'autre leader de l'équipe en cas de contre-performance de sa part. Ça marche. Je ravitaille. À 2 km du sommet, observe tes adversaires. Surveille-le, c'est le meilleur grimpeur de l'échappée. Du dernier grimpeur. Assez de points d'avance supplémentaires.
premiers sont actuellement dans le col du Marais, 10 km de montée, mais seulement 3% de pente moyenne. Il y aura 2 et 1 point pour le classement de la montagne. Le ravitaille. La prochaine ascension. Je viens de procéder. Après le sommet, les coureurs aborderont une courte descente et devront ensuite enchaîner avec le col des Arabes. Et c'est reparti pour une nouvelle ascension. Le col des Aravis, 4,6 km de montée et une pente moyenne de 5.
La côte des Amerans fera office de point bonus. Il y aura donc des secondes de bonification à grappiller, en plus des points pour le classement de la montagne. C'est relayé. Ça marche, je ravitaille. Ça marche, j'ai relayé fort. La montée du Betex débute maintenant pour la tête de course. C'est une montée courte mais très raide puisque le pourcentage moyen approche les 8%. Le vainqueur de l'étape marquera 10 points pour le classement du meilleur grimpeur, l'arrivée étant classée en première catégorie. Allez, avec Martinez, c'est vrai que je reprends presque une semaine après, donc je m'en souviens plus spécialement. Par contre, IRL Harper, il est grave fort hein, sur le tour, hein, aux côtés de Simon. Il est dans les 20 meilleurs, tout simplement, en montagne. Hein. À Vingegaard, on est en train de mettre du temps maintenant, tout va bien. Plus que 5 km pour l'homme de tête. Si les hommes de devant sont largement plus forts que nous, et surtout que bon, il reste 5 bornes dans cette montée du BT, du coup, 7ème médiation à 7,6% de moyenne, mais on n'a pas de barbe blanc. Puis Pogacar lui fait saler Fake David en hein, devant. Vingegaard est un peu derrière nous. Bernal, bon écoutez, hein, après on a voulu faire exploser, hein, c'est notre vie, hein, on a voulu faire exploser nos adversaires. Bon écoutez, hein, pourquoi pas. Hein. Par contre, Martinez, vraiment sur ce tour, on n'arrive pas à jouer face au meilleur, c'est ça qui est terrifiant. C'est contente mais que ça ne marche absolument pas. On a beau tenter tous les jours, attaquer, rien n'y fait. Bon, on va essayer de monter en effort curseur 85 jusqu'au sommet. Devant, ça s'est un peu regardé, puis ça repart devant. De toute façon, on a passé de barre bleue avec Martinez. Bardet qui a malheureusement abandonné au moment où je tourne IRL. Enfin, du coup, là je tourne le soir, mais vous avez capté. Je suis vraiment très triste sur ma Bardet abandonné. Vingegaard, il a encore Bernal à ses côtés hein, donc putain on a perdu 20 secondes d'un coup là. Va aller voir revenir derrière nous. J'espère que Gaudu peut récupérer encore un peu de temps au général, même si ça semble être compliqué. Pogacar distancé Gaudu justement. En parlant de David, peut-être que Cus peut exploser. Bilbao faut voir. Hindley bon compliqué. Bref, faudra surveiller Pitcock hein, pour David.
On est à l'arrêt dans cette fin d'ascension. Devant il y a Julien Alaphilippe. On n'ira pas le chercher je pense. De toute façon il nous reste 3 bornes mais on est à l'arrêt avec Daniel Philippe et Martin. C'est tout à fait normal. Après on est en méforme. On est offensif aujourd'hui. On a quasiment plus de barre bleue. Dans quel état on va finir ce tour? Bonne question. On est dans un passage moins difficile. Ils reviennent sur nous. Super. Van Barl, Vingegaard, Van Aert. Hein, Bernal et Bilbao. Hein. Bah tiens, Bilbao en parlant du loup tout à l'heure. Mais putain, mais s'il vous plaît, à 2 km de l'arrivée de cette étape, t'as Van Barl et Van Aert. Ils tiennent plus que Sepkus. On est où là? Et Bernal, en vrai, il a grave de la force. Hein. Vas-y, il gagne. Hein. Par contre, Pidcock, moi ça m'inquiète. C'est pour cette fin de tour au niveau du classement du meilleur grimpeur. Parce que Pogacar va prendre 10 points au sommet. C'est pas idéal. Et Bernal, si tu peux faire une belle ascension, on va pas s'en priver, je pense. Nous, de toute façon, on a la règle avec l'ami Daniel Philippe et Martinez. Bernal, je sais pas s'il y a des mecs. S'il y a Bardet qui est distancé à la limite. Bon, on va encore perdre du temps avec Martinez, mais bon, c'est assez habituel de ce tour en soi. Vingegaard distancé. Ah, Vingegaard, il est pas si bien que ça aujourd'hui, hein. Mais bon, nous, la seule bonne forme qu'on a eu, c'était il y a 2 jours au Grand Colombier. Sauf que c'est une montée sèche et qu'elle est difficile à gérer. Que déjà, je suis nul en fait sur ce jeu. En fait, ça ne m'a servi à rien d'augmenter Rodriguez. Hein, parce que Rodriguez, hier, on savait qu'il risquait d'être le leader de la formation Ineos. J'ai gardé Martinez et Bernal assez haut. Et en fait, au final, c'est eux qui sont meilleurs que Rodriguez. On va prendre plus de 3 minutes encore aujourd'hui. Hein. Après, j'ai envie de vous dire, on a l'habitude sur ce tour hein, avec Martinez. On se fait défoncer tous les jours. On va terminer 6ème de ce tour, mais je sais même pas à combien de temps. Hein. Après, il n'y a personne derrière nous, à part Wout van Aert qui peut nous priver de cette place. À part sur le tour avec Thibaut Pinot, en soi, j'ai quasiment toujours fini à la place quasiment du meilleur français. Donc j'espère que le meilleur français, Gonu, pourra faire 6. L'an dernier, je crois, il n'était pas 8ème avant la 16ème étape. Et là, bah, il est 10ème au moment où on est avant la 15ème. Bon. S'il fait plus 4 places comme l'an dernier, ça veut dire qu'il finirait 6ème. Mais bon, il y a le chrono quand même encore. Hein. Nous on va finir très loin avec Martinez. Donc une journée compliquée, Pidcock va finir un quart d'heure, mais en plus il est malade. Vous remarquerez que ces deux derniers jours il est moins fort alors qu'Irel aussi. Hein. Mon équipe ils vont finir dans un sale état. D'ailleurs aujourd'hui victoire quand même de Rodriguez et victoire de Kwiatkowski la veille. Donc finalement Ineos ce jour j'aurais pas porté l'œil parce que j'ai porté l'œil à Groupama, à Trek, Bahrain. Bah en fait ils ont pas fait un très bon tour l'an dernier. Parfois de White, oh, le groupe Eto qui arrive. Trek, ils n'ont pas fait un très bon tour. Donc, s'il y a eu la deuxième place d'Elissonde et la troisième de Mollema, Elissonde qui est plus combatif au double Ventoux, donc entre Sorg et Malocène, ok. Mais bon, c'est vrai que c'est des équipes. J'aurais pas trop porté chance. Et là, je porte chance à Ineos parce que l'heure actuelle, ils sont sur le podium au moment où je tourne. C'est bizarre. Victoire de Pogacar, le jaune pour Pogacar, le vert pour Jakobsen, le maillot blanc pour rouge pour Pidcock et le blanc pour Pogacar. Le maillot au vert, on peut limite tirer une croix dessus à moins que Jakobsen ait un problème. Mais déjà avec Pidcock, on n'avance plus. Tadej Pogacar, le sommet de la Ultimate en 4h57 et 16 secondes est en tête, enfin remporte cette étape avec 10 secondes de bonification. Pidcock, ça va la maillot, elle redescend un peu. Du côté du classement général, alors Pidcock qui fait que descendre, c'est terrifiant ça. Moritz, oui, pourquoi pas. Tadej Pogacar, le semaine de la Ultimate en 6h31 et 25 secondes, est tenté du classement général pour la Ultimate le semaine. Je viens de voir que Van Aert est devant nous au général, à la même seconde. Dans la même seconde. Je me pose des questions. Depuis quand Wout van Aert à le niveau de Martinez? Enfin, théoriquement, Martinez, il est pas ouf en ce moment, vous aime bien. Mais Van Aert, c'est passé là sur un général de tour. Bon, vous me direz, Martinez et Bernal, ils sont pas à leur niveau, à la Philippe aussi. La Philippe, j'ai augmenté, Bernal et Martinez, je les ai baissés. Voilà. Du côté du classement numéro grimpeur, 115 points pour Thomas Pidcock pour l'Ineos Grenadier, le Britannique. Du côté du classement par point, 251 points pour Fabio Jakobsen, le Néerlandais, l'assaut de la Quick Step. 227 points pour nous, bon voilà. Même si on n'est pas très loin. Hein. On est, ouais, on est à combien? On est 25. Attendez. 24 points, je crois. Ouais, c'est ça. Du côté du classement des jeunes, bon, Tadej Pogacar, semaine de l'Ultimate en 63h, 31 minutes et 25 secondes. Bon, nous, on a 40 minutes et 5 secondes. Avec Rodriguez, c'est Pidcock, hein, au classement. Qu'on a par point. Du côté du classement par équipe, l'équipe britannique de la Ineos Grenadier, donc l'équipe qu'on contrôle là. En 180, 11h43 et 49 secondes, on est en tête du classement par équipe et avec 11 minutes et 54 secondes d'avance sur l'équipe néerlandaise du team Jumbo-Visma.
Et le classement de la combativité, c'est Omar Fraile Britannique de Lainez Ouvrière direct 880 km. Non, espagnol basque plutôt, et Pitcock, bon bah 794 km. On n'est plus du tout dans la top 3, nous là c'est pas bien. Écoutez, le classement du meilleur rappeur. Après Pogacar 89 points. En soi, on a 26 points, ça semble être compliqué. Surtout qu'à la lose encore. Il y a pas mal de points encore à prendre, et puis là on est à 13 minutes et 4 secondes, on est très loin. Mais il y a le chrono où Van Aert va nous récupérer du temps. Après, on est à 4 minutes, hein. Et qu'on est à 4 minutes, mais pour le podium, on est à 8 minutes, quoi. Un peu moins. Pas faux. Enfin, on est à plus de 7 minutes et 10 secondes, quoi. 7 minutes et 13 secondes, pour être précis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Nous, on va se retrouver demain. Pour une vidéo peut-être débrief et preview, enfin pronostic deuxième semaine, oui, mais on va se retrouver surtout pour le tour avec Lainez Ouvrière dans 2 jours avec le seul chrono de ce tour de 22 km. Voilà, c'était Cyclisme 3D pour tout le monde, à la prochaine, ciao.